Hey, salut à tous. Ici Panda Sunshine et la vie est belle. Alors, comment vous dire? C'est space, n'est-ce pas? Hein, c'est normal, on est dans l'espace. Ça, je le couperai au montage. Bah non, parce que sinon, là, vous l'auriez pas. Alors, on s'est posé sur une planète peuplée de créatures étranges. Et d'homme fleur apparemment. Il s'appelle Gilbert. Salut Gilbert, ça va Gilbert? Le joli chien. Non, je suis un lapin. Hein? D'accord. Donc, nous sommes avec des personnes droguées, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est super. Ah oui, d'accord, ce sont des personnes hippies. Super, donc qui dit hippie dit drogue. Hein, bien sûr. Qui dit drogue dit chose bizarre. Ok, alors ça me plaît pas du tout. Ça me plaît absolument pas. J'ai un cerveau un peu bizarre. Donc ça va pas me plaire. J'annonce tout de suite que ça va pas me plaire. Oh, punaise. C'est pas possible. Bien sûr. Alors je l'ai touché, il est parti. Meurs, là je suis infâme. Ah. Non. Je suis tellement nul à ça, putain. Tellement nul, j'ai stressé comme un gros débile. Attends, LB. LB, c'est la touche pour changer les armes, je crois. En plus, j'ai une tête de taliban avec cette nouvelle barbe qu'on m'a. Cette nouvelle personnalisation. c'est affreux. Bonjour, je viens. C'est pas du tout un accent de taliban, mais c'est pas grave. Faites comme si. Bonjour, je viens tuer hippie. Je suis un terroriste afghan. Ah oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est affreux, hein. Moi, je peux pas supporter ce genre de choses. Mais de quoi? Je me fais attaquer par quoi? Par les mecs. Mais oui, bien sûr. Ouais. Là, c'est bon, quoi. Par ça, je peux les tuer, je peux les annuler en direct dessus. Ok, alors, tac, tac, B, A, B, Y, ça passe ou pas? Ça passe, j'en ai la jambe loupée, hein. c'est une éponge, je crois, enfin, il me semble, et l'éponge, pas une éponge, l'éponge des mers, comme Bob l'éponge, sauf que lui, c'est les carrés, et en vrai, ils sont pas carrés, les éponges des mers. Oh, c'est mon amoureux. C'est mon amoureux. Enfin, j'avais pas remarqué, mais il y a plein de coin-coin partout. Et c'est... Ah bah non, du coup, il est plus content. Mais à la base, il est censé aimer les canards. Je peux pas... Non, maintenant, il va me suivre partout. C'est affreux. Oh, c'est ignoble. Ceci dit, j'ai les contrôles qui sont revenus normal. Ça, par contre, c'est une... Mais il meurt pas. Il meurt pas facilement, ces bestioles. Ah là là, ça pique les yeux. ça doit être assez horrible pour vous deux. Alors, il y a un mec qui fait des... C'est une vache. Ah! Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer la dernière fois. Pardon, ça a dû être un peu fort, ça. C'est ce que je voulais vous montrer la dernière fois. Donc, lui, je fais juste coin-coin. C'est au casino, on a des... Des slots comme ça, et donc on peut jouer. Je vais vous montrer juste un coup, hein, pour qu'on s'amuse un peu. Ah mais non, celles-là sont pas pareilles. Pas pareil qu'au vrai casino. Regarde, vraiment, là faut avoir des lol simplement, et ça marche. Alors pareil, c'est la 4h, hein, mais si je pourrais savoir si on peut arriver à un truc. Bon, c'est pas les mêmes au casino. Au casino, ce sont des vraies machines à sous et avec lesquelles on peut gagner pas mal d'argent. Mine de rien. Alors, non, eux, ils m'ont sauvé. Je me balade un peu, hein, c'est sympa. Ah mais là, je suis revenu en arrière, en fait. D'accord. Alors, la carte. Tu es la carte, tu es la... Non, c'est pareil qu'on va y aller. Par là qu'il faut qu'on aille. Alors, j'ai l'impression qu'on a des petites... Ah oui, c'est ça. Et dès qu'on touche un mec comme ça, c'est la merde. Alors, ça.
D'accord, alors ça, faut faire un super dash dedans, c'est ça? Mais alors? Ah, il faut attendre. Voilà, c'est parfait. Il y a un temps, il y a un temps de... Ah d'accord, alors lui, il se soulage de façon assez... C'est dégueulasse. Mais vous êtes dégueulasse, vous êtes dégueulasse. Je tenais à le dire, c'est tout à fait dégueulasse. Je ne cautionne pas ce genre de choses. Meurs. Ah non, pardon. Pardon, pardon. Pardon, bah c'est bon, ça va. C'est dégueulasse. Arrêtez-moi ça. Voilà. Fallait le mettre dedans. J'appuie sur A trop vite. Je suis un chevalier. Chevalier du Zodiac. Meurs. Je l'ai ouvert en deux. Voilà. Pour ça, c'était plutôt facile. On descend par là. C'était un piège. Nice, nice piège. Bravo. Bravo, je ne me félicite pas. Je ne félicite pas ceux qui ont créé Allié. C'est très mauvais. Je vous laisse mourir comme ça de façon hyper stupide. Alors, eux, on les touche pas. Ah putain. Faut pas toucher les hippies. C'est comme dans la vraie vie. Faut pas les toucher. Ah oui, ça se désactive au bout d'un moment. C'est pas mal ça, c'est sympa. Enfin, en même temps, c'est chiant. Parce que moi, ça marche pas bien comme ça dans mon esprit. Mais honnêtement, c'est sympa. Et oui, parce que... Et voilà, et ça change au plein milieu, bien sûr, de mon saut. Ah oui, non, d'accord, je croyais que c'était du vide, mais en fait, non, ça en était pas. Dans votre face. Barrez-vous de là. La fontaine. On avance. Super dash. Allez. C'est marqué. Never trust the flying end. D'accord. Encore un slogan de hippie, tout ça. Là, j'avais rien à dire. Parce que... Par contre, ce qui est trop bien, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Récupère. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. I got it. Got it. Ok, c'est bon. C'est la bonne touche. Ça, c'est le A. Le A, c'est le X. Parce que je joue avec une manette de PlayStation, bien sûr. Enfin, c'est pas forcément logique, mais voilà. Bon bah on va d'exécution en exécution, toi je te touche pas, tu m'as saoulé, toi aussi, hop un petit escalier. Aïe caramba, c'est Bart. Pas mal, t'as l'air franchement pas net, avec ta gueule à l'envers. C'est lui qui a... Ah mais d'accord, attends, autant pour moi. Parce que c'était tout à l'heure, ça s'inverse et tout, moi je... Trop bien. Ouais bien sûr je suis pas ton fort. Et je vais m'assurer que ta gueule soit à l'envers dans une minute. Je vais m'occuper de toi, mon garçon. Alors, garçon. Wow. Mais ça fait... Ah, papa. Masse. Ça fait masse dégâts, ces petites boules, là. Pas bon, ça. Ah, il y a un shop. On le sait. On va voir. Pas du tout, en fait. Pourquoi il n'y a pas de shop? Normalement, ça indique des shops, ça. Faites n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Ce monde n'a aucun sens. Hein, je tiens à le dire. Ce monde n'a vraiment aucun sens. Où est le... Voilà, c'est ça que je cherchais un peu. En plus, il y a un coin-coin qui me suit partout. C'est insupportable. Si au moins, il pouvait faire quelque chose. Il fait envoyer, mais bon. Non, il fait rien. Il fait rien de type rien. Et en plus, c'est lui que je dois tuer. Je peux pas le tuer, en fait. Il va y avoir un moyen à un moment donné de le tuer. Je ne sais point comment. Peut-être avec une autre arme. Non parce que apparemment c'est un monstre que je dois tuer aussi, mais bon, que faire. Pourquoi je l'ai touché? Peut-être qu'en mourant avec lui. On tente des trucs. C'est ce que je vous dis, on tente des trucs. Ok. Ok, bah on redescend.
J'ai encore touché le papy fleur. Peut-être qu'il y a quelque chose en bas. On découvre un peu la map, c'est sympa. Il y a des 6 sauteuses en fond. Je suis pas aussi con que j'en ai. Si, en fait, si. J'allais dire, je suis pas si con que j'en ai l'air. Mais en fait, si. Please stop with your unicorns. Ok, donc en fait, on sent vraiment des vrais. Vraies revendications hein, dans ces textes écrits là. Allez, on repasse par là. Ok, donc là on s'arrête là, bien sûr. J'ai cru que ça allait rebondir. Je l'aurais très mal vécu. On va y aller tout doucement, hein, bien sûr. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Là, je vais me poser 2 secondes. Réfléchir un peu à mon avenir. Ah bien sûr. Ça devait arriver, j'ai plus, voilà. Bon alors, il est où le bartounet? Quand je te défonce. Ah oui, voilà, c'est ça. On avait déjà eu celle-là, je sais pas si vous vous rappelez. Très sympa, cette exécution. Voilà. On rappelle les niveaux de du Roi Lion dans le let's play. Sur le camion arrive à l'envers. Non, c'est pas du tout un délit de fuite. Je vois pas de quoi vous parlez. Au niveau du Roi Lion, hein, dont le let's play est réalisé par Bila. Mais en ce moment, j'ai dû vous demander, mais dis donc, où sont les vidéos de Bila? Il a plus d'ordinateur en ce moment, donc plutôt compliqué de faire des vidéos sans ordinateur. Vous en conviendrez. Voilà, donc on va se retrouver en bas hein, en essayant de passer par cet endroit où je suis mort tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Allez! Putain! Depuis tout à l'heure, j'étais en train de me poser la question de savoir comment on faisait pour le défoncer. Et ma réponse a été entendue. Ah ouais, non, par contre, la porte, j'y arrive pas depuis tout à l'heure. J'essaye, hein. J'essaye depuis tout à l'heure. Ça a coupé, vous avez bien vu. Et depuis tout à l'heure, j'essaye d'y arriver et j'ai vraiment pas de machin. Mais tout à l'heure, il m'a semblé que les petits canards justement qui étaient à côté de moi me poussaient en fait. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop stable. Bon, maintenant on va réessayer sans eux et là, on va voir. Et franchement il m'a fallu un éclair de génie comme ça. C'est pour ça que je disais plus rien, j'étais là. Ils m'ont saoulé au bout d'un moment eux. Salut, et nous revoilà. Ouh là là, je suis complètement en retard. Ouh, c'est pas bon, j'avais pas bien repris trop de cordes. Ouh, je m'en veux. Alors, on a passé, hein, vous avez vu ce passage magnifique. J'étais un peu stressé vers la fin, pour tout vous dire. Et on est tombé sur 2 gros culs. On n'a pas peur des mots. Hein. Un couple de culs. Alors, c'est pas pour comme les petits culs, vous savez, sur lesquels on peut rebondir. Là, c'était 2 gros culs pas bien gentils. D'ailleurs, lui s'appelait Badass, hein, qui en anglais veut dire... un mec qui est un peu rentre dedans.
mais qui, bon, voilà, bah, c'était un badass, un mauvais méchant cul, tout simplement. Le poil fatal, je sais pas de quoi il parle. Si tu veux, H. Voilà, c'est badass. Hein. On a deux fesses, mais on n'a qu'une parole. J'ai prêté serment, alors allons-y. Voilà. Je pensais pas que t'avais de l'honneur, badass. La force du harakiri du poil. Voilà. Et alors, en fait, comme la dernière fois, je sais pas si vous vous rappeliez du martien qui avait dans l'espace quand j'étais en vaisseau. J'avais fait un zoom, en fait. Et c'est ça qui avait fait que ça avait supprimé la personne. Donc, évidemment, on a des bruits de fesses. Ben là, en fait, j'ai simplement... Ça, c'est pour changer d'arme. J'ai simplement zoomé comme ça. Et en fait, on voyait les deux dans l'écran. Et ça a permis de tuer notre petit copain sur le côté. Voilà. Ça, il fallait le savoir, par exemple. Et je ne le savais pas. Et donc, du coup, la dernière fois, j'ai juste cru qu'il fallait attendre. Et en fait, non. Donc, il y a des interactions aussi avec le zoom. Donc, enfin, des trucs de fou. Ah, ici, il coûte 0. Bon, on va le prendre. Je peux acheter un flamethrower. Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre le flamethrower. Alors, on prend. Je suis un fou. À 600 la moustache, c'est beaucoup trop cher. On va prendre un bonnet de gangsta. C'est bon, ça. Allez, c'est parti. Là, du coup, normalement, j'ai le bonnet de gangsta. Avec le flamethrower, c'est tellement bon. Alors, comment ça fonctionne, ça? C'est beaucoup trop puissant. C'est comme, vous savez, dans le loup-garou, quand vous êtes Cupidon, quand vous mourrez tous les deux. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Alors... On est de retour. Vous pouvez débloquer plein de trucs que vous avez vu tout à l'heure. Alors, le truc était gratuit. On l'a vu, le magnifique skin tête de fesse était gratuit. Donc on va le mettre. Et ça débloque la porte. Putain, mais quelle intelligence. Bien sûr, quelle intelligence. Je suis... outré. Déçu. Viens te relever contre mes fesses. Oh, please, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Elle a cru que c'était l'autre. Bon, je vais le brûler. Des choses comme ça, ça devrait... Et où? Il est là. Ça devrait être brûlé. Meurs. Mais j'étais pas dessus. Please. J'étais pas... Il est là. Voilà. Voilà, il était là. J'avais déjà vu qu'il était là. Allez, badass, tu meurs. Par le T-Rex. Parce que ça va être le T-Rex, bien sûr, qui va la bouffer. Bouffe la T-Rex. Allez, mange! Mange le T-Rex! T-Rex avec les lunettes 3D. Nice. C'est ça, c'est bien un T-Rex. Je suis fier de toi. Bon! Et ça va être la fin du niveau, du coup. Oh là là. Hop, ça m'a mis au fond. Les deux culs, ça m'a mis au fond. Hein, je tiens à vous le dire. D'ailleurs, je vais changer de skin tout de suite. Donc du coup, ça a débloqué la fin du niveau. Ouh, super. Je n'en peux plus. Ok. What? What? C'est moi qui ai déconstruit. Du coup, j'envoie mon jetpack pour un check-up rapide. Ah, damn, ça va être une zone encore où j'aurai pas mon jetpack. Ok. Et bah, du coup, on fera ça au prochain épisode. Il y avait des pics au plafond, super. J'adore ce niveau. J'adore ce niveau déjà. Ok. D'ores et déjà, j'adore ce niveau. Où sont mes proverbes? Proverbe de William Blake. Un très bon pote à moi. Ce qui est maintenant prouvé ne fut jadis qu'imaginé. Réfléchissez à ça pour la semaine prochaine. On se croirait dans Terminator. Plastizen. Et à la prochaine.